Bonjour et bienvenue à vous sur actuautique.com, Nicolas Venance. Sur le Nautique 2019 dans le hall 2-2, Honda Marine est venue en force avec ses partenaires pour mettre en place un stand qui est le plus grand stand jamais réalisé par le motoriste nippon, qui se positionne à l'entrée du hall 2-2. Alors en partenariat avec Tony Marine, concessionnaire de la marque japonaise, et avec Highfield, partenaire motoriste de Honda Marine. Alors sur ce stand, qu'est-ce qu'on peut découvrir? On peut découvrir les moteurs hors bord Honda, toute la gamme présentée, mais également ce magnifique Monkey qui fait craquer plus d'un visiteur. Splendide. Et puis plus sérieusement, si on s'intéresse au bateau, sur ma gauche il y a Tony Marine qui va présenter la gamme Grande. Alors Grande, ce sont des semi-rigides construits en Ukraine, des bateaux plutôt méditerranéens dans le programme de navigation, dotés d'une belle finition, des bateaux bien construits, familiaux, très sécurisants, avec ses balcons inox avant-arrière. Juste après la gamme Grande, on peut découvrir la gamme Marcy. Alors, ce sont aussi des semi-rigides. Semi-rigides plutôt destinés à la Méditerranée, avec un positionnement plus sportif. Voilà, que l'on peut voir sur la gauche. Alors, à droite, le stand Highfield, qu'on a déjà pu découvrir il y a deux jours sur Actu Nautique. Et puis, si je poursuis ma découverte de ce stand, une présentation des différents moteurs hors-bord Honda. Alors, les fortes puissances, bien entendu, mais également tous les moteurs transportables. Une nouveauté cette année chez Honda. Je vais me rapprocher. Cette nouveauté, elle est devant moi en termes de moteur hors-bord. C'est un 20 chevaux Power Tilt. On reviendra plus en détail sur ce tout nouveau moteur. Et puis, bien entendu, ce stand ne pouvait pas faire l'impasse sur la toute nouvelle gamme de semi-rigide Honda by Highfield. Cette gamme, elle est présentée dans son intégralité aussi bien sur le stand Highfield que Honda. Alors je commence par le Club 46 et puis ensuite le H54. Alors des semi-rigides dotés d'une coque aluminium, un très beau niveau de finition, logoté forcément Honda Marine, et en fait qui se décline des plus petites tailles aux plus grandes. Là, on était devant le H54, 5,40 m. On va découvrir tout de suite le HX6, ainsi mettre le cœur de marché du semi-rigide. Et puis derrière, last but not least, le HX76, le flagship de Honda Marine semi-rigide. Un bateau magnifique. Voilà, avec de très belles finitions. Et un design de console qui est splendide. Voilà, donc beaucoup de choses à voir chez Honda Marine cette année sur le Nautique de Paris. Et c'est sur les images de ces semi-rigides Honda Marine by Highfield que je vais vous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.